Pure sorte de labyrinthe, c'est la première fois que je l'ai, tu sais. Ah oui. Bon, bah ça commence à revenir.
encore mort, mais bon, bref. Oups. Bon, bah tant pis, bah, c'est. Je me suis rendu le jeu plus dur. Voilà. Un baby. Bob Bretonnette. Première fois que je fais un sloth sans me faire toucher, sans me faire toucher d'ailleurs. Nickel. Nickel. Qu'il est pour les tâches suivantes, c'est parfait. Putain, qui me brûle. En même temps, quelle idée de vouloir jouer à Isaac à 2h du matin, quoi. C'est mon premier floor sans un seul dégât. Et il n'y a rien d'autre à faire de plus dedans en plus. Juste peut-être tester la salle secrète vite fait. Oups. J'ai merdé là. C'était pas là, de toute façon. Ah, j'aurais pu le faire sur la machin là, mais fortement remarque, j'ai pas envie d'utiliser la clé. Donc non. Hop. Esman 2. Stellar 2, fait chier. Par alternative plus urgente. Avec une arcade. L'arcade. Ici. On verra si j'y vais ou si j'irai ou pas. En tout cas, j'ai 7 pièces, c'est pas mal.
Arlo Queen Baby, il est pas mal pour attaquer ce genre d'ennemis. C'est plutôt sympa. Bon, ça, des salles comme ça, j'en veux plus souvent. Un missing page. Poum poum poum. Ok, bon bah pour l'instant ça va. Encore un cul-de-sac. Bizarre ce... Oh! Ah, c'est ce que j'appelle de l'effet qui fait bizarre. Alors, chemical peel. Parfait. Je vais aller chercher mon petit cœur qui me manque, puis je vais aller affronter le boss. Et après on verra pour la... On verra pour la... Ça s'appelle. Pour l'arcade. Widow. Widow. Je préfère l'avoir en premier étage qu'en deuxième. Oh bah ça va. Je commence à gérer moi, mine de rien. Donc, mythe. RHPF. Pas mal. Pas mal du tout, c'est pas mal du tout tout ça, mais ça se passe plutôt bien ma parole même je dirais. Ouais c'est Bob Rottenade ici. Ah merde, j'ai posé une bombe comme un gros con. Eh bah. One up. Oula. Il y a eu un bug là avec mon Harley Quinn Baby. J'étais dans la salle secrète, c'est devenu un... Peut-être garder mes pièces pour le tâche suivant, je vais peut-être faire ça. Oui, j'étais parti rechercher le cœur. Il est tard les gens, il est tard. Je pensais que c'était un cœur complet moi. Pas tant pis, pas grave. On va aller dans les caves. Puis on va voir, puis on verra bien ce qu'on fera. Donc c'est les caves. Ouais, c'est les caves. C'est pas les... C'est pas les repères à Greenhead. Enfin, Gridhead. Bref, c'est pas les catacombes. Ouf. Hop. Oh bah merde. J'ai quand même pris un dégât. C'est con.
Aïe. Ah, ça a de la portée cette saloperie. Oh, Bretonnade. Bon, on verra ça. Bah tiens, je vais essayer tout de suite. Ah, bah, j'ai bien fait. Donc là... bon, bref, raté. Tout pourri. Si je pouvais avoir un petit cœur, ça je cracherais pas dessus. Là. Putain. Oh putain. Un cœur, s'il vous plaît. Je vends pas la lune. Je vends juste un cœur. Si ça touche, ça peut faire très mal, donc je vais prendre ça. Je pense que je vais faire péter la machine à sous. Merde. À chaque fois je me gourde de boutons, mais j'ai mis il faudra que je change ça sur ma manette. Mis le bouton espace à côté du bouton pour les bombes. Yes. J'aurais préféré un cœur, hein, sans déconner. Pas gagné. Hip. Ok. Et ce pipe là comme ça, j'aime pas. Rabouillé. Bombe. Commence. Pas évident, hein, ce boss. Il n'y a rien. Je préfère l'affronter quand je suis un peu plus rapide que ça, en fait. Pour vous dire. Je me trouve un peu lent pour l'affronter. Et je l'ai quand même eu. Allez, hop, Jujus. Range tire, hop. Pas mal, pas mal. J'aimerais bien avoir un petit speed-up la prochaine fois. J'abandonne la bombe Rotenhead. Je crois pas qu'il m'en voudra. Ah. Ouais, je suis désolé, hein. Là pour l'instant, aujourd'hui, le commentaire il est un peu mort, mais c'est normal. Enfin, je m'entraîne, mais je filme quand même au cas où je fais une performance. Tu m'étonnerais, mais. M'étonnerait fortement, mais bon.
faut pas prendre le risque de ne pas filmer et de faire un run de qualité et puis de pas le filmer. On a le don de m'énerver. Donc là, par exemple, je l'ai bien géré le. Junior là. Hop. Oh putain, c'est de la salle de merde ça. Ça c'est de la bonne grosse salle de merde. J'avais dit que c'était de la bonne grosse salle de merde. Hein. J'avais dit. Bon, on va faire péter. Des dégâts qui sont intéressants, mais dommage, j'ai perdu trop de vie. Et je ne donne pas cher de ma peau pour être tout à fait honnête avec vous. J'ai perdu beaucoup trop de vie. Encore moins cher maintenant. Ouais, c'est soit ce coffre est exceptionnel, soit je suis foutu. Oh pièce, bah, je l'ai dans le cul. J'ai envie d'aller me faire tuer par le boss, je vais essayer d'aller chercher des cœurs. Bah voilà. De la résistance. Et j'ai pas de clé. Je vais avoir assez d'argent pour le shop, mais j'ai pas de clé. Là j'ai plus qu'un demi-cœur, bah. Cœur, cool. On aura peut-être l'occasion de voir c'est quoi le item si j'ai une clé un jour. Bon, bah, je vais essayer de jouer à la loterie pour avoir droit à cet item. Là, je vais pas jouer à la machine, donc ça c'est bon, je peux la faire péter. Ou spade, et c'est les clés ça, cool. Oh ben j'ai des bombes. Oh parfait,
Bon, bah c'est tout, bah j'ai eu ce que je voulais. Hein. On va voir les qui, on va voir le docteur en mode. Je sais pas trop, enfin je sais pas plus m'en servir que Crack the Sky. Crack the Sky, il est pas plein. Le docteur remote, oui. Ok, ben allons-y. Au passage, je vais essayer la salle secrète. Ouais, non. The Hollow. Eh ben. Merde. Depuis quand j'ai appris à jouer moi? Quoi là que j'ai pris? Judgment. Oh bah. Air Zap. Pic. Judgment, bah on va le jouer. Tout de suite. HP upgrade, cool. Et alors le deal avec le... Oh putain merde, Krampus. Oh. Arf. C'est la première fois que je l'affronte, hein. Excuserez. La piètre qualité de... Oh. Une pauvre gueule. Bah c'est bien. c'est bien, je crois que là je tiens mon premier run qui va être diffusé sur ma chaîne. Par contre Nécropolis ça craint. Pas gentil. Chance platique, de toute façon j'ai pas, je prends la tique parce que de toute façon j'ai pas accès au chest, donc je m'en fous. Du coup, vu que c'est sûrement la première vraie partie que je vais mettre en ligne sur ma chaîne, j'ai causé un peu plus. Enfin, j'espère qu'on m'entendra un petit peu parler quand même. Pas de patch, mais j'en fous, je peux plus les prendre.
Oui, parce que la tique empêche de prendre n'importe quel autre item. T'inquiète. Aïe aïe aïe. Un masque, des masques of une famille. C'est la première fois que j'en croise aussi ces ennemis là. Ouf, ça c'est un cauchemar ça. Pour moi en tout cas. Voilà, comment dirais-je, c'est juste que j'arrive pas, enfin je les analyse mal ceux-là, j'ai pas l'habitude, c'est la première fois que j'en rencontrais, et je suis mort codement en me prenant une boule dans la tête. Bon, bah c'est encore pas ce coup-ci que j'y arriverai à un môme. Tant pis. En attendant, cette run était plutôt pas mal, donc je pense que je vais la diffuser celle-là. En tout cas, je recommencerai demain, hein, parce que là il se fait tard et je suis trop fatigué. Donc voilà, c'était Baldu55, à plus tard.